Qu'est-ce que le sexe apporte au quotidien? Ah, le sexe, il est très important. Et pour nous, il est très très important. Les sexologues ont dit que les rapports sexuels que doit entretenir une femme ou un homme, c'est de deux à trois fois par semaine. Ça, c'est la fréquence. La fréquence. OK. Trois fois par semaine, en fait. Alors, vous voyez, trois fois par semaine, multiplié par les 21 jours, parce qu'il faut multiplier par 21 jours pour un mois. Okay. Dans les 21 jours, c'est-à-dire qu'il faut soustraire les périodes de règles et autres, là, ça fait 21 jours. OK, d'accord. Alors si ça fait 21 jours. Si ça fait 21 jours, la fréquence de deux fois à trois fois maximum, c'est beaucoup dans l'année. Bien ça sûr. Ça fait au moins 500 à deux fois par semaine, ça fait environ 500 et quelques de fois de fréquence. Donc, ce qui veut dire dans une année, il faut faire plus de 500 fois. Voilà, 500 fois l'amour. OK. Alors, mais... Les gens ne le savent pas. Certains ne le font pas. Oui, c'est ça. D'autres en abusent. Voilà. Et par contre, la sexualité va apporter un plaisir. OK. Dans ce plaisir aussi, il va du... C'est-à-dire, il est très bien pour le cœur. Parce que l'activité sexuelle, quand tu fais l'activité sexuelle... Ça va vraiment réduire les maladies cardiovasculaires. Hein? Et deuxièmement, ça va lutter contre le stress. Oui. Mentalement. Mentalement. Ça te libère. Ça va libérer la personne. Et on dit pour un rapport sexuel plus ou moins accompli, la moyenne, c'est que c'est de 33 secondes à 5 minutes 4 jusqu'à 44 minutes. Docteur, là, je n'ai pas compris. OK. Pour de bons rapports sexuels. Oui, la moyenne. La moyenne. Ouais. C'est de 33 secondes. 33 secondes. C'est-à-dire 33 secondes, c'est pour les gens qui éjaculent très vite. OK. OK. Et comment on appelle 5 minutes 5 minutes 40, okay. Ça c'est la moyenne.